À partir du 5 avril, à la Cité de l'Espace, vous allez pouvoir assister à une animation immersive. Vous savez, il y a plein de robots, de rovers qui explorent la planète rouge en ce moment. Pas facile d'aller sur Mars, c'est trop loin, on ne peut pas y aller nous. Alors, ce qu'on a décidé de faire ici à la Cité de l'Espace, c'est de créer un véritable terrain martien. On a travaillé avec des scientifiques, on a travaillé avec le CNES, l'agence spatiale française, on a travaillé avec des entreprises pour essayer d'imaginer, de réaliser un terrain martien qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Mars. La spécificité de cette mission, ce qui en fait qu'il y a vraiment quelque chose d'assez unique, c'est que la Chine, par cette mission, devient la première nation à se poser sur Mars du premier coup. Personne n'avait réussi à le faire en un seul essai avant. Il faut savoir que l'histoire de Mars, c'est à peu près 50% d'échecs sur les missions qui ont été tentées. On a fabriqué ces engins qui roulent hein, sur 6 roues sur Mars à l'heure actuelle, au plus près de la réalité. Pareil, à l'échelle 1, grandeur nature, ils bougent exactement comme les vrais. Et on rejoue tout ce qui se passe sur Mars, ici sur le terrain martien, avec ces animations immersives d'à peu près 30 minutes.